Bien, nous allons commencer à ouvrir donc la séance du conseil municipal du 23 mai 2020, donc qui est l'installation du nouveau conseil municipal. Et je vais commencer par procéder à l'appel. Et donc, au nom de chaque personne, je vous demande de dire simplement présent. Philippe Limousin. Présent. Pascal Cusseau. Présente. Jean-Michel Fievé. Présent. Coralie Schumacher. Présent. Michel Paquier. Présent. Bénédicte Leclerc. Présent. Olivier Vandevelde. Présent. Céline Heringel. Présent. Karl Verbeck. Bénédicte Herman, Jean-Pierre Macré, Myriam Flamand, René Després, Christine Chantraine, Paulo Antunes, Odile Paquet-Titeca, Philippe Verdebout, Laurent Zutilleul, Luc Devillers, Audrey Delecroix, Mathieu Thierry, présent. Paul Dupont, présent, Nicole Martin, Francis Delru, présent. Lydia Copine, absente, procuration à Nicole Martin, Pavel Kizoski, et Monique Cardon, absente, procuration également à Nicole Martin. Voilà. Alors, je vais maintenant procéder à la proclamation des résultats donc des élections du 15 mars 2020. Il y avait ces élections 3859 inscrits, 1828 votants, 21 nuls, 18 blancs, exprimés 1789. Unis pour Bézieux, 776 voix, soit 43,4%, et Bézieux passionnément, 1013 voix, soit 56,6%. Et donc, Bézieux passionnément a obtenu 21 sièges, et Unis pour Bézieux, 6 sièges. De la même manière, pour le poste de représentant à la métropole européenne de Lille, c'est donc M. Philippe Limousin qui représentera la commune au sein de la métropole européenne de Lille. Voilà. Moi, j'en ai terminé avec la présidence donc de ce conseil. Et comme le veut le protocole, je vais maintenant demander au doyen d'âge de me remplacer à ce poste. Et donc, je vais demander à M. René Després de bien vouloir me rejoindre ici. Je propose la désignation de Madame Audrey Delecroix, plus jeune conseillère municipale, en qualité de secrétaire de séance. Qui est contre ? Je déclare Madame Audrey Delecroix élue à l'unanimité en qualité de secrétaire de séance. Je vais vous faire lecture succincte de l'ordre du jour. Premier point, élection du maire. Deuxième point, fixation du nombre d'adjoints. Troisième, élection des adjoints. Quatrième point, lecture de la charte de l'élu local. Et cinquième point, questions diverses. Je vous propose maintenant de procéder à l'élection du maire de la commune. Je rappelle les dispositions du Code général des collectivités territoriales. Article L2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Article L2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. En conséquence de quoi, les conseillers se retrouveront pendant 6 ans pour travailler ensemble dans l'intérêt de la commune pour tous les habitants. Nous allons constituer maintenant le bureau en charge de l'élection.
Je propose de désigner en qualité d'assesseur Madame Bénédicte Hermand et Monsieur Karl Verbeek. Qui est contre ? Sont déclarés assesseurs Madame Bénédicte Hermand et Monsieur Karl Verbeek. Je fais maintenant appel solennel aux candidatures au poste de maire de la commune. Je suis candidat au poste de maire de la commune. Monsieur Philippe Limousin est seul candidat au poste de maire de la commune. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Bon, les conseillers vont se déplacer un par un, en commençant par... Comment ? Je voudrais auparavant faire une intervention, si c'est possible. Alors, à moins que tu vas jusqu'au bout, mais je souhaitais faire une intervention avant le vote. Bon, ok, tu peux. Alors, tout d'abord, je voudrais parler à titre personnel, et puis ensuite, je céderai la parole à Francis Delrue. Alors, tout d'abord, je voudrais, et comme je l'ai indiqué dans l'éditorial du Basilico du mois de mai, qui va être distribué prochainement, je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des Basiliennes et Basiliens qui, pendant de très nombreuses années, nous ont fait confiance et nous ont permis de pouvoir gérer la commune pendant plus de 30 ans. Je remercie également les électeurs qui nous ont soutenus lors du vote du 15 mars, à la fois pendant ce vote et ensuite, et qui ont voté pour la liste Unis pour Bézieux. Alors, compte tenu des résultats, il me semble tout à fait naturel, au-delà de la réunion d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne pas siéger au conseil municipal. Par conséquent, je transmettrai dans les prochains jours ma lettre de démission de mon poste de conseiller municipal. De ce fait, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Francis Delrue, puisque c'est lui qui deviendra le porte-parole de notre groupe Unis pour Bézieux, et donc je vais maintenant lui céder la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, comme l'a exprimé Monsieur le maire Paul Dupont, c'est au nom des membres de l'équipe Unis pour Bézieux que j'interviens pour expliquer nos votes et développer notre position. Durant trois décennies, les actions des différentes équipes municipales que j'ai eu l'honneur de piloter directement, puis aux côtés de notre maire actuel, Paul Dupont, ont rendu notre commune très attractive. L'implication des Basiliens, additionnée au travail de proximité de la municipalité, a permis de construire, comme le dit notre logo, un certain art de vivre. Reconnu de tous, et certaines personnes présentes à cette réunion peuvent en attester, puisque c'est cela qui a dû motiver leur arrivée récente dans notre belle commune. Cette attractivité et cet art de vivre ensemble résultent de la volonté de la municipalité d'investir dans les équipements scolaires, culturels, sportifs et espaces publics, permettant aux Basiliens de s'épanouir à travers les activités associatives et ce, dans un cadre de vie agréable. Notre objectif a toujours été de permettre à tous les Basiliens de bien vivre dans leur commune, vivre voulant dire se loger, s'approvisionner, se détendre et autant que faire se peut, travailler à Bézieux. Le développement du petit et du moyen commerce a également été une pierre de cet édifice. Pendant toute cette période, nous avons anticipé la mutation de notre commune, ouvrière et agricole, en commune résidentielle, en réussissant à éviter qu'elle devienne une cité dortoir. Nous avons aussi dû intégrer les évolutions législatives et sociétales du XXIe siècle, entre autres le développement de l'individualisme. Tout cela, c'est le passé. Mais nous avons aussi préparé l'avenir. L'ambitieux programme d'investissement dans des équipements sportifs, culturels, scolaires est déjà engagé et complètement financé à hauteur de plus de 9 millions d'euros, et ceci sans modifier le taux de taxe locale. Les aménagements des espaces publics et du cadre de vie qui les accompagnent sont également prêts à être lancés. La cohérence de ces importants investissements est réelle, car depuis 30 ans, nous avons une vraie vision de l'évolution de Bézieux.
intégrant les projections à 2030 et 2040. Le développement de notre commune, nous l'avons voulu harmonieux. Sur ce point, nous avons d'ailleurs reçu les félicitations de l'un des membres de votre groupe dans un courrier que je pourrai vous diffuser si vous le souhaitez. Pour le présent, nous aurions pu travailler sur ces beaux projets. Sauf que mi-mars est apparu le Covid-19 et l'état de guerre déclaré par le président de la République. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu le 15 mars le premier tour des municipales qui a été un ersatz de démocratie. Dans certains endroits, on a même assisté à un déni de démocratie puisqu'on a empêché au dernier moment les habitants de résidences personnes âgées d'aller voter. Interdiction pourtant médicalement tout à fait justifiée. Ce simulacre de démocratie a bien sûr entraîné un taux d'abstention jamais atteint dans notre commune. En général, la participation aux élections municipales est de l'ordre de 75% à Bézieux. Et comme cela vient d'être annoncé, à peine 47% des inscrits sont venus voter le 15 mars. Dans des conditions normales, le résultat aurait peut-être été différent, ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, la légitimité de ce résultat est discutable. Ce vote tronqué est arrivé au terme d'une campagne électorale que je qualifierais de peu républicaine, car basée sur des informations erronées, des tracts mensongers distribués la dernière nuit, dont l'objectif était de créer de l'inquiétude chez les basiliens. Maintien de la ZAD, démolition de l'église pour faire des logements, démolition de maisons pour faire des routes. C'est une approche très politicarde qui n'est pas du tout notre conception de la démocratie. À l'inverse, respectueux des règles républicaines, le groupe Unis pour Bézieux entérine la décision du gouvernement qui n'a pas remis en cause le premier tour des élections municipales pour ne pas avoir à reconnaître son erreur et les risques sanitaires qu'il a fait prendre à des millions de Français. Dans quelques instants, Paul Dupont vous transmettra donc les clés de l'institution Bézieux. Cette institution est actuellement en parfaite santé. Santé financière, unanimement reconnue, qui lui vaut les satisfecit du trésorier payeur général. Santé fonctionnelle, tous les services municipaux sont performants et nos services financiers et jeunesse sont donnés en exemple par nos interlocuteurs. Santé de l'animation municipale. Pour toutes les catégories de basiliens, des enfants aux personnes âgées. La période que nous venons de passer prouve que la solidarité n'est pas un vain mot à Bézieux. Je m'associe à Paul pour remercier toutes les personnes qui ont contribué au fait que personne ne s'est senti abandonné pendant cette période de confinement. Pour le personnel municipal, les élus, les bénévoles, les membres du PCS et du CCAS, la solidarité a été la seule motivation de tous ces acteurs, et cela sans avoir besoin de couverture médiatique. Bonne santé générale donc, sauf dans le domaine de la construction de logements, pour lequel l'État nous reproche le retard des programmes municipaux. Pour l'avenir, nous sommes maintenant un groupe d'opposition. Notre objectif pendant ces 6 ans est que tous les points positifs que je viens d'évoquer ne soient pas mis à mal par des projets improvisés et mal maîtrisés. Nous sommes conscients que nous ne sommes qu'un contre-pouvoir, mais nous jouerons pleinement ce rôle. Avec l'appui des membres de l'équipe Unis pour Bézieux, je piloterai cette action. Nous serons très vigilants au respect de l'intérêt général et à l'évolution harmonieuse de notre commune pour le bien-vivre de tous les basiliens. Très prochainement, nous transmettrons à tous les basiliens notre mode de fonctionnement prévu pendant les 6 prochaines années et les programmes des actions que nous mettrons en place. Notre objectif, je le répète, est de retrouver dans 6 ans notre commune dans une aussi bonne santé que celle dans laquelle nous venons de vous transmettre. Dès demain, nous veillerons à l'application de 2 décisions que nous avons prises et qui n'ont pas pu être appliquées,
faute de possibilité de réunir le Conseil. La première est la prime au personnel municipal qui a travaillé au contact du public pendant la période de confinement. La deuxième est le soutien au commerce et à l'artisanat local avec la réduction de la taxe sur les enseignes et publicités. Aujourd'hui, en ce qui concerne les délibérations et nominations du Conseil municipal, nous considérons que nous n'avons pas à intervenir dans l'organisation que vous avez choisi de mettre en place, l'organisation de l'exécutif de ce mandat et de votre ressort. Les membres d'Unis pour Bézieux ne participeront donc pas au vote demandé dans les différentes délibérations à l'ordre du jour. Ce sera sûrement la seule fois de ce mandat où nous procéderons de cette sorte, mais c'est aussi une manière de conclure sur le manque de légitimité du scrutin et sur le piètre niveau de cette campagne électorale 2020. Merci de votre attention. Je vous propose de procéder maintenant à l'élection du maire. Donc les conseillers passeront tour à tour, donc un par un, en commençant par la table du fond à gauche. Je vous rappelle qu'il y a un isoloir. Je rappelle qu'il est impératif de passer par l'isoloir, c'est un vote secret. Arrêter le vote là et on va faire repasser les deux premières personnes.
S'il vous plaît. On va annuler le vote. On va vider les enveloppes qui sont dans l'urne et on va recommencer. On peut recommencer le vote et ne vous n'oubliez pas de passer dans l'isoloir.
Pouillement. On peut faire le dépouillement. Les ascenseurs, vous avancez. Voici les résultats du vote. Donc 21 suffrages exprimés, 21 voix pour Philippe Limousin. Je déclare Philippe Limousin élu maire à la majorité absolue des suffrages. Donc je vais prendre désormais la présidence de ce conseil d'installation et je vais vous faire un mot, comme il se doit. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Merci. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du personnel communal,
chers concitoyens, chers amis. Je veux tout d'abord remercier le Conseil municipal pour cette élection qui vient de me désigner maire de la commune de Bézieux. Je veux aussi remercier les Basiliens qui, par leur vote le 15 mars, ont choisi la voie du changement. Je m'adresse aujourd'hui aux Basiliens, à tous les Basiliens, dans des conditions certes un peu particulières, sans présence du public, conséquence de la crise sanitaire qui touche notre pays actuellement. Cela nous a conduit à organiser ce conseil municipal d'installation dans le respect des consignes de distanciation sociale et dans une durée limitée afin d'en protéger les participants. Je pense que toutes et tous vous le comprendrez. Ce 23 mai 2020 est un jour historique qui voit l'arrivée d'une équipe très majoritairement renouvelée à la mairie de Bézieux. Cela fait suite au vote du 15 mars 2020 où une page de l'histoire de Bézieux s'est tournée. Même si les circonstances sanitaires ont fait que nous ne sommes pas arrivés aux affaires dès la semaine qui a suivi l'élection comme en veut l'usage, mais seulement 2 mois plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'en reste pas moins vrai qu'il nous appartient désormais d'écrire la suite de l'histoire de notre belle commune. Ce 23 mai 2020 est également un jour émouvant. Je ne vous cacherai pas que je ressens aujourd'hui de l'émotion quant à ce mandat de maire que vous venez de me confier. C'est un beau mandat, peut-être le plus beau. C'est aussi un mandat exigeant, certainement complexe, le maire avec son équipe étant garant de l'intérêt général. Il n'est pas étonnant cependant que ce mandat soit plébiscité par une majorité de Français, car son exercice associe proximité, contact et réalisation concrète. Je veux vous dire aujourd'hui que je mesure l'étendue de la tâche qui m'attend et qui nous attend. Je mesure aussi l'honneur que nos concitoyens nous ont fait en nous plaçant en tête le 15 mars dernier. Je sais que l'émotion que je ressens et dont je viens de vous parler est partagée par l'équipe que nous avons formée et que j'ai eu le plaisir et l'honneur de conduire jusqu'à la victoire et aujourd'hui jusqu'aux portes de la mairie. Je veux rendre hommage et remercier cette belle équipe qui est présente ici, aujourd'hui autour de nous, sans oublier ceux qui ne sont pas là, mais qui ont tout autant contribué avec ardeur, compétence et énergie pour concevoir et porter notre beau programme. Cette équipe avec qui j'ai partagé tant d'émotions, tant de joies, parfois aussi des difficultés, a montré tout son engagement durant la campagne qui fut une aventure humaine exceptionnelle. Cette équipe est solide, cette équipe est forte de ses différences et de ses complémentarités. Nous avons beaucoup à apprendre, c'est indéniable. Mais c'est aussi le choix des électeurs d'envoyer une équipe renouvelée à la mairie. Et je sais que nous pourrons, sur ce point précis, nous appuyer sur les compétences, l'engagement et le sens du service de l'équipe des agents municipaux, que je remercie chaleureusement par avance. Je vous ai parlé de mon émotion et de celle de notre équipe, mais ce jour doit également être émouvant pour nos prédécesseurs, qui, pour certains d'entre eux, ont conduit les destinées de la commune pendant plus de 30 années. Conduire les destinées d'une commune pendant plus de 30 ans n'est certainement pas anodin et ce n'est pas un hasard. Je veux donc saluer ici Paul Dupont, dont je mesure bien évidemment la déception, mais avec qui j'ai cependant pu entretenir pendant près de 2 mois, pendant ces 2 mois très particuliers de confinement et de maintien contraint aux affaires d'une équipe désavouée dans les urnes, une relation et des échanges que je qualifierais de républicains. Aidé en cela par l'écoute,
la compétence et le dévouement sans faille de Mathieu Descamps, notre directeur général des services, lui-même accompagné par l'équipe des agents municipaux, dont je sais l'attachement au service de la commune et des Basiliens. Au-delà des divergences d'analyse qui sont naturellement apparues durant la campagne, mais n'est-ce point cela la démocratie, je veux souligner, Monsieur Dupont, votre sens du service et votre attachement à bien faire le travail jusqu'au bout dignement. Il est temps maintenant de revenir sur le résultat des élections que Monsieur le maire sortant a rappelé lors d'ouverture de séance. Les Basiliens ont clairement exprimé une volonté de changement. Notre score de près de 57% des suffrages exprimés en témoigne. Ce résultat, pour autant qu'il soit net et sans appel, nous oblige et doit nous encourager à nous mettre au travail dans les meilleurs délais, avec engagement, abnégation et sérieux. J'en profite à nouveau pour remercier les électeurs qui nous ont accordé leur confiance, mais je tiens aussi à rassurer les électeurs qui ne l'ont pas fait, en leur confirmant que je serai le maire de tous les Basiliens et que le Conseil municipal œuvrera dans l'intérêt de tous, comme il se doit. J'y veillerai tout au long de ce mandat qui commence aujourd'hui, et je formule des vœux pour que l'opposition, qui se trouve représentée par 6 conseillers municipaux, soit une opposition constructive et porteuse du nécessaire débat démocratique qui doit être au cœur de toute municipalité. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de démocratie sans opposition. C'est d'ailleurs pourquoi j'allais proposer, mais les représentants de l'opposition en ont décidé autrement en demandant la parole en début de séance, j'allais proposer aux représentants de cette opposition municipale, s'ils le souhaitent, de prendre la parole avant la fin de la séance. Cela a été fait. Et puisque vous avez choisi de le faire avant la fin de séance, je vais improviser quelques points qui... En tout cas, je vais répondre sur quelques points en improvisant, et en tout cas sur lesquels je souhaite revenir. Vous avez parlé, Monsieur Delru, d'ersatz de démocratie. Force est de constater que plus de 30 000 communes en France ont élu leur conseil municipal au complet le 15 mars dernier, et que tous seront installés d'ici à jeudi. C'est le choix de l'exécutif, de la nation. Nous en prenons acte. Vous avez fait référence au taux d'abstention élevé de cette élection. Vous oubliez de dire, ou en tout cas je vais vous le rappeler, si cela vous a échappé, qu'à Bézieux, le taux d'abstention est supérieur à la moyenne du Nord et à la moyenne nationale. Les chiffres, sauf erreur, 54,5% en France, 59,06% dans le Nord, 52,68% à Bézieux. L'impact de la crise Covid est réel, elle a été dans toute la France. La légitimité discutable dont vous faites état me semble difficilement recevable, c'est remettre en cause les institutions et les décisions de l'exécutif. Je vous laisse seul juge de votre analyse. Quant à la campagne peu républicaine auquel vous avez fait référence, et en particulier le sujet de l'Église, qui visiblement ne vous a pas échappé, je voudrais dire que c'est, me semble-t-il, nier l'authenticité d'un document signé, excusez du peu, d'un ministre, d'un préfet, d'un vice-président et d'un maire. En foi de quoi, le nier, me semble-t-il, c'est remettre en cause les institutions. En tout cas, je ne voudrais pas rentrer sur un débat polémique, je voulais simplement vous faire part de mes réponses. Je suis conscient que notre élection a fait naître un espoir.
Tout au long de notre campagne, nous avons établi des contacts, des liens dans une relation forte de proximité avec les Basiliens, les associations, les commerçants et les nombreuses forces vives de notre belle commune. Nous avons pris des engagements forts et décisifs à l'occasion de la campagne. Je vais les résumer ici. Écoute, participation et concertation, cadre de vie, lien social, jeunesse et éducation. Cet espoir doit se construira autour du pilier de notre politique municipale, qui sera la disponibilité, l'écoute, l'empathie. Entendre, c'est bien, comprendre, c'est mieux. Pour comprendre, il faut nécessairement se mettre en empathie. Nous nous y emploierons toutes et tous, car le propre du mandat municipal est la proximité. Je sais que je pourrai compter sur la disponibilité des adjoints, qui seront accompagnés pour certains par des conseillers délégués. Nous avons compris la volonté de changement des Basiliens. C'est pourquoi l'un des points clés de ce mandat, qui débute, consistera à mettre le citoyen au cœur de la vie de la commune par la participation et le lien social. La réponse que nous avons soumise aux Basiliens et qu'ils ont validée par leur vote est la mise en œuvre des conseils de quartier. Nous savons combien, au travers de nos contacts avec la population, les attentes de nos concitoyens sont fortes et combien nous devons y apporter des réponses. Nous nous emploierons donc à mettre en œuvre ces conseils de quartier, axe fort et central de notre politique en matière de participation et de concertation avec les citoyens à la vie de la commune. L'autre point autour duquel nous avons bâti notre programme, c'est l'amélioration du cadre de vie, le bien vivre ensemble. Je serai le maire du cadre de vie, du lien social et de la jeunesse. J'entends par là mobiliser toutes les équipes municipales vers ces buts. Il y a du travail. Je mesure l'étendue de la tâche à accomplir. Nous aurons à gérer des situations complexes dont nous hériterons. Nous serons confrontés, dès notre arrivée, aux affaires, à des problématiques de stationnement, de circulation, d'entretien, de mobilité, de mise en valeur de la commune, mais aussi de travaux pour accueillir la population, agrandissement des écoles, construction du centre sportif, etc. Autant de chantiers qui nécessitent un travail d'équipe des adjoints en charge de ces délégations, ces problématiques étant liées et touchant les Basiliens au quotidien. Le développement de la commune se fera en concertation et avec l'adhésion de nos concitoyens. C'est l'axe prioritaire de ce mandat pour une vraie qualité de vie à Bézieux. Il va sans dire que cela nécessitera un engagement fort de toutes et tous. Le travail d'équipe est une force auquel je crois et nous ferons en sorte de mettre en œuvre ce travail d'équipe tout au long de ce mandat. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres de l'équipe municipale, chers concitoyens, chers amis, je veux conclure en rappelant que la devise de notre République est « liberté, égalité, fraternité ». Ces valeurs sont essentielles à mes yeux et nous les respecterons. Je mesure l'étendue de la responsabilité qui repose désormais sur l'équipe municipale, mais je sais aussi que cette équipe saura offrir aux Basiliens le service et la qualité de vie qu'ils sont en droit d'attendre de nous. Je vous remercie pour votre attention. Bien, donc je vais prendre la présidence de cette séance donc pour procéder au vote des adjoints. Pardon. Oui, d'abord, je pense qu'il faut que René.
Bien. Je rappelle qu'en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine le nombre d'adjoints sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif global légal du Conseil municipal. Article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Je précise que cet effectif étant fixé à 27 conseillers en ce qui concerne Bézieux, le nombre maximum d'adjoints est donc de 8. Je propose de fixer à 8 le nombre d'adjoints. Et je vais mettre aux voix cette délibération, cette décision. Qui est contre ? Donc nous fixons à 8 le nombre d'adjoints. Donc je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Article L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Je pose donc la question de savoir quelles sont les listes qui souhaitent se présenter. Il me revient le très grand honneur de porter la liste d'adjoints de Bézieux passionnément. 8 adjoints sont actuellement nommés. Pascal Cussot, Olivier Vandevelde, Bénédicte Leclerc, Karl Verbeck, Coralie Schumacher, Jean-Michel Fiévé, Céline Rangel, Michel Paquet. Je propose de procéder au vote à scrutin secret, et je rappelle le passage obligatoire par l'isoloir. Donc je vais appeler de la même façon que précédemment les conseillers à se déplacer à tour de rôle, en commençant par Audrey, comme tout à l'heure. Oui, j'ai eu un doute. Mon discours était correct. C'est vrai ? C'est pas simple. Même avec. Ben oui, il fallait. Hein.
Je pense que donc tous les conseillers votants ont procédé au vote et je vais donc demander aux assesseurs de procéder au dépouillement de ce vote des adjoints. Pascal Cusseau. 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 Je vous remercie. Je vais donc procéder à la proclamation du résultat. La liste des adjoints ayant obtenu à la majorité absolue des suffrages est celle conduite par Pascal Cusseau. Ils sont donc proclamés adjoints et installés dans leur fonction dans l'ordre de cette liste. Madame Pascal Cusseau, Monsieur Olivier Van de Velde, Madame Bénédicte Leclerc, Monsieur Karl Verbeek, Madame Coralie Schumacher, Monsieur Jean-Michel Fievé, Madame Céline Héringuel, Monsieur Michel Paquier. Je vais maintenant procéder à la remise des écharpes. Et j'invite les adjoints à se déplacer dans l'ordre de la liste. Je te remets l'écharpe symbole de ta fonction avec toutes mes félicitations. Parfait. Parfait. Je suis fière. Cette écharpe, symbole de ta fonction, avec toutes mes félicitations. Merci. Comme une ceinture de sécurité. Comme une ceinture de sécurité.
Comme une ceinture de sécurité. Voilà. Non ? J'y arriverai pas. Hein. Non. Voilà. Merci, Philippe. Ah oui, débutant. Il y a de l'émotion, c'est normal. Édith, je te remets cette écharpe, symbole de ta fonction, avec toutes mes félicitations et mes encouragements. Je passe le bras, je passe le bras. Voilà. Après cette cérémonie émouvante et protocolaire, et je remercie donc les adjoints qui viennent de recevoir leur écharpe, je porte à la connaissance, à l'attention du Conseil, que nous avons pris et j'ai pris la décision de désigner 5 conseillers délégués que je vais nommer, en l'occurrence M. Paulo Antunes, Mme Bénédicte Herman, Monsieur Jean-Pierre Macré, Madame Christine Chantraine et Monsieur Mathieu Théry, que vous pouvez applaudir.
et que je félicite et que j'encourage. En conclusion, l'exécutif fonctionnera donc avec 8 adjoints et 5 conseillers délégués. Pour terminer cette séance de conseil d'installation, il me revient de faire lecture de la charte de l'élu local. En application de l'article L2121-7, troisième alinéa du Code général des collectivités territoriales. Je vais donc donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L111.1.1 du Code général des collectivités territoriales, dont vous avez reçu une copie sur votre table et du chapitre 3 du titre 2 du Code général des collectivités territoriales relatif aux conditions d'exercice des mandats municipaux, article L2123-1 à L2123-35 du Code général des collectivités territoriales. Je vais donc donner lecture de la charte de l'élu. Article L1111-1-1, créé par la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, article 2. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie pour votre attention et je déclare donc ce conseil d'installation terminé. Et je vous remercie pour votre attention.